John Mulaney est si heureux qu'il n'a pas pu garder l'heureuse nouvelle pour lui tout seul. L'humoriste américain de 39 ans, en couple avec l'actrice américaine Clase Gallagher et Olivia Munn, 41 ans, a annoncé qu'ils attendent un enfant. C'est sur le plateau du talk-show de Seth Meyers que l'artiste a vendu la mèche. Mardi 7 septembre. Au printemps, je suis allée à Los Angeles et j'ai rencontré et j'ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia. Et je suis entrée dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu'un d'incroyable. Deux et nous allons avoir un bébé ensemble. J'étais nerveux en l'annonçant. Et a-t-il raconté sur le plateau et du Late Night with Seth Meyers, et comme le rapporte People. Très ému et au comble du bonheur, John Mulaney a expliqué que cette nouvelle lui a permis de combattre ses démons. Olivia et ce bébé m'ont aidé à me sauver de moi-même, a ajouté celui qui s'est battu contre ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne. C'est un coup de chance d'avoir rencontré cette femme, a affirmé John Mulaney devant l'assistance. Après 6 ans d'amour avec son ex-femme la maquilleuse Anna Marie Tanley, le comédien décide de divorcer. Je suis allée en rehab en septembre, j'en suis sortie en octobre. J'ai déménagé de chez mon ex-femme, a-t-il résumé à Seth Meyers. John Mulaney s'amuse à dire que son incroyable partenaire et future mère de son enfant l'a aidé à s'en sortir en sortant avec lui. Ce qu'on appelle une prise inversée. Elle m'a soutenu durant cet enfer, explique-t-il plus sérieusement. Faisant référence à ses passages en cure de désintoxication. De son côté, l'actrice d'origine asiatique n'a pas encore fait d'annonce officielle. Sur son compte Instagram, la belle brune, qui a tourné dans X-Men Apocalypse. Zoolander 2 ou encore de Predator n'a pas encore posté de photos de son ventre rond et se contente de dévoiler ses looks. Air très discrète sur sa vie privée, Olivia Munn, 41 ans, ne s'est encore jamais montrée au bras de John Mulaney. La comédienne avait vécu une romance avec le quarterback Aaron Rodgers.